est venue par la Mauritanie en tout cas, elle vient de sortir d'Ali, mais par l'intermédiaire de Mohamed El-Hafez, qui est donc un Mauritanien. Donc il est revenu largement sur ce lien très étroit entre la famille de Cheikh Ibrahim Yassir Adela Anou et la Mauritanie, qui est donc où la famille du chef, les enfants, les autres, et beaucoup de la famille, en tout cas des membres de la famille, ont fait des études en Mauritanie et ça continue. Il y a une école à Medina Bay et c'est toujours donc les Mauritaniens donc, qui ont en tout cas leur soutien là-dedans. Donc pour dire qu'il a rappelé aussi les visites que Mawlana Cheikh Ibrahim Yassir Adela Anou il a fait en Mauritanie, à Alec, son fameux discours d'Alec, quand la Mauritanie a eu l'indépendance, où il a parlé donc, de cette importance, de ce lien qui existe entre Cheikh Mawlana Cheikh Ibrahim et la Mauritanie. Donc, et il a dit même, il est allé reculer en disant qu'aujourd'hui, si la famille de Cheikh ne peut plus rester, ils ne peuvent aller qu'en Mauritanie. Tellement le lien est très fort. L'amour qui existe entre Baye et la Mauritanie est très fort. Donc, Michel l'ambassadeur, il est chez lui et il est aussi sa ville de Baye, donc ça tombe bien, il est chez lui ici. Ensuite, Malik, il a parlé un peu de l'importance donc, de se diriger vers Allah à chaque fois. Compter sur Allah, que les gens d'Allah ne comptent sur Allah et que les autres, les gens du bas monde sont dans leur monde. Il a donné l'exemple que dans cette salle, une salle à côté de nous, eux ils sont dans leur monde et nous sommes dans notre monde. Donc voilà, au chacun. Ensuite, le cheikh, il est revenu maintenant sur l'importance de la lettre numéro 3 de Jawahir Rasaï. Il a dit que Baye a écrit des milliers de lettres. Il a écrit des milliers de lettres. Et il y a eu le Jawahir Rasaï, il y a eu d'autres lettres. Il y a eu récemment un autre qui a fait encore un autre livre. Et les lettres qui se trouvent dans ces livres ne se retrouvent pas dans le Jawahir Rasaï. Donc, pour vous dire que les lettres que Baye a écrites, ça ne finit pas. Et chaque lettre transmet des messages, des connaissances inégales qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Donc, pour vous dire la dimension. C'est bon, on a cherché Premier à Rebellano. Abdul Malik, Cheikh Abdul Malik, Premier, il a insisté sur la lettre numéro 3, avec laquelle le Cheikh Baye a commencé par les noms de les beaux noms. Et ensuite, il a évoqué le nom de Moutafimi Jafar, c'est-à-dire celui qui se vend mieux et celui, en tout cas, qui peut faire du mal. Si vous voulez, dans sa position approximative. Dans cette lettre, Cheikh Baye insiste sur le comportement que le disciple doit avoir et sur le comportement que le Muqaddam doit avoir avec lui-même et avec ses talibés. Il dit que si le Muqaddam n'arrive pas à dresser ses talibés et que les talibés font des choses mauvaises devant lui et qu'il ne peut pas les régler, il les abandonne. D'abord, qu'il les conseille, il essaie de les donner un peu. Et s'il n'arrive pas, il migre vers Dieu, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vers nous, il agira, Allah est où il a reçu, il est là. Et il a dit l'importance de l'Ina, pourquoi il est basé, pourquoi pour dire revenez vers moi. Et moi, parce que quand vous revenez chez Cheikh Baye, vous allez trouver tout ce que vous servira, en tout cas, vous la salue dans ce bas monde et dans le monde. La lettre, et je me suis dit, s'il n'a pas pu tout dire. Parce que comme on est un peu en retard, en fait, on est un peu, la nuit est courte, on aimerait que la nuit soit très longue. Donc on va, Inch'Allah, on va commencer avec notre soirée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Mouana, Ouad, Mouana, Chefouna, Simad, la nuit du Varias, et Arrivé, donc on va commencer tout de suite par l'ouverture du Coran, avec أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يغلب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم الفاتحة ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك ما شاء الله الحمد لله donc nous continuons la soirée avec cette ouverture du Coran la belle voix ma شاء الله par Omar ibn Mohamed Amin Ibrahimès et puis si ton nous nous souhaitons longue vie pleine de baraka et de santé donc sans tarder invitons le président de la Fédération Ansar Oudine France, qui
qui a organisé cette soirée, de vous présenter son discours. En tout cas, de la TGL et de la TGL. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, maître de la rétribution, et miséricordieux de tout miséricordieux. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, le sceau des prophètes. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la fleur de l'univers, le rahme de l'humanité, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Qu'Allah soit satisfait du détenteur de la faïda Tidjani et du secret de Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, de l'amour incontestable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du travailleur infatigable de l'islam, Maulana Cheikh Ibrahim Alad Ibrahim Niess. Cheikh Mahmoud Al-Amin Ibrahim Niess. Monsieur le secrétaire général de la Fédération Ansaruddin Sénégal, Mahmoud Ibrahim Niess. Mahmoud Al-Amin Ibrahim Niess. Cheikh Abdul Malik Ibrahim Niess, Monsieur l'ambassadeur de la Mauritanie, Son Excellence M. Wayou, Mauritanie en France, qui nous a fait l'honneur d'être présent avec nous, Son Excellence Monsieur le Consul M. Diallo du Sénégal à Paris, nos chers les fils et petits-fils de Maulana Cheikh Ibrahim Niess ici présents, je reviendrai sur eux, nos chers petite fille de Maulana Cheikh Ibrahim Niess, Monsieur les présidents des Daïr Ansaruddin d'Europe, ici présents, représentés aujourd'hui par le secrétaire général de la Fédération Ansaruddin Italie, Abdou Gueye, Monsieur les présidents des Daïr Ansaruddin, chers condisciples, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malgré le contre-temps, la foi liée au voyage, son amour envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et envers nous lui donne la force. Et cela nous rappelle qui disait dans son diwan Sayyidul Khad, je cite, je survole les océans, les contrées, les villes, les montagnes et tout ce qui, tout ceci dans le but d'avoir l'agrément d'Allah comme soutien pour sa religion et d'être un exemple pour la génération nouvelle. Je suis faible, malade, âgé, passionné, exalté, enthousiasmé par ma mission de faire triompher ces religions sans verser de sang. Fin de citation. Et cette personne, cet être, cette lumière qui nous verse, cette qui peut être que résultat de nos efforts aujourd'hui, à aujourd'hui, nous a légué des enfants formidables, extraordinaires. Et aujourd'hui, la présence de Cheikh Moulamine avec nous en dit beaucoup. Il y a 2 mois de cela, il était au Mali. Il a transité pour faire les États-Unis. De retour au Sénégal, de Gabon, la Mauritanie pour 1 mois, depuis le 8 avril, il est avec nous, il a déjà fait la Suède, et le 24, il sera en Allemagne. Cher, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te vous accompagne par la santé. Que la lumière d'Allah, l'amour de Maulana Cheikh Ibrahim Niess sur le prophète,
soit votre lumière. Se déroule sur votre chemin comme un tapis rouge que vous ne sentez pas de fatigue. Cher, vivez avec nous encore pour notre lumière, pour notre rahma, pour notre miséricorde. Peut-être que nous tous nous prions ça dans notre cœur, mais que ces prières vont à l'envers de tous ses frères, que ces prières vont à l'envers de notre khalif, cher Ahmed Tidiane Ibrahim Agnès. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes à un point important de l'histoire de notre structure. Nous avons créé l'Association d'État libre de bail en France il y a de cela 12 ans. 6 ans après, on a court-circuité cette structure pour amener la Fédération de France. En fait, l'association était la cheville ouvrière pour aujourd'hui l'implantation de cette fédération. Mon message d'aujourd'hui, que le bureau de la fédération m'a chargé, est encore un appel vers l'union, et encore un appel vers la réalisation de nos projets. Ça fait 14 ans que nous organisons des maulouts, des conférences. Mais sachez que l'objectif des efforts des talibis, je ne parle pas de la fédération, l'objectif des efforts des talibis de Baye doit dépasser l'organisation de maulouts et de conférences. Si ce n'était que cela, il ne prendrait pas son bâton de pèlerin, pour faire le tour du monde. Il avait d'autres ambitions, même qui ne sont pas peut-être plus nobles que le Maulud, où on parle de notre lumière. Il avait d'autres ambitions que cela. On vous lance encore une fois l'appel. Si vous ne voulez pas venir, nous allons venir vous rejoindre. Signalez-nous votre position, votre ambition, on viendra vers vous. Nous essayons de porter ce flambeau, ce drapeau que lui, Maulana Chebra Agnès, il a pointé dans le monde en l'espace de peu de temps qu'il a vécu, 75 ans. Nous avons le devoir de beaucoup faire. Nous avons des projets nobles pour notre soutien, notre apport à Medina Bay. Sachez que nous avons quitté un pays pour venir ici pour beaucoup d'objectifs. Et dans ces objectifs, il doit y faire partie la réalisation de beaucoup de projets à Medina Bay. Si chacun rentre chez lui, sa maison est bien faite, sa famille se porte bien, qu'il pense, quand je serai à Medina, qu'est-ce que je vais faire? Il y a beaucoup de projets qui nous attendent. C'est un appel, frère. On veut dépasser les Maulouds et les Gamos. Si la structure ne vous satisfait pas, je serai le plus petit secrétaire de la prochaine, du prochain de la fédération. Pour qu'ensemble, nous allons plus loin que ça. Bref, je pense que le message est. Je veux dire à monsieur nos excellences ici présents, l'ambassadeur de la Mauritanie et le consul du Sénégal, qu'ils nous font une fierté de présence. Cheikh Abdul Malik en a dit beaucoup. Je veux juste aussi dire à monsieur le consul ici présent que nos efforts, notre participation dans la République du Sénégal, n'empêche qu'ici dans la salle, il n'y a pas que des Sénégalais, vous pouvez m'excuser, a pour résultat de porter notre pays avec celui qui le gouverne. Mais nous pensons que Medina Baye est une identité remarquable et le Sénégal ne pourra jamais aller sans. Nous sommes prêts à suivre nos chers sur tout ce qu'ils nous disent. Là où ils nous désignent, on passera par là. Et leur message sera plus important que mon message. Mais, monsieur le consul, dites à notre président que nous sommes fiers du nom qu'il a donné, du nom de l'université qu'il a donné à Maulana Chebra Agnès. Mais nous sommes avides et nous attendons encore beaucoup. Mais n'empêche que nous lui disons merci. Chers frères et sœurs, je ne serai pas plus long, on a beaucoup perdu de temps dans la soirée. Je vous souhaite tous soyez le bienvenu ici en France et nous vous souhaitons une bonne nuit spirituelle. Nous sommes fiers de la présence de cette soirée de Ousmane Aliou Cissé, qui est le fils de Seydou. Et
C'est une coïncidence parce que cette année, le parrain de cette Maulou est Seydi Aliou Cissé. Donc, nous pensons que par la grâce de cet être, par les versets que parlait l'ange Cheikh va nous donner, nous allons bénéficier de ces attitudes nobles qu'on nous a racontées. Il y a une sœur qui a créé une association noble qui travaille avec la Faïda pour aider les enfants démunis dans notre temps d'habits. Vous qui avez des habits que vous ne pouvez plus porter, il y a notre sœur Aïda qui a porté une association qui est très importante et nous vous demandons de vous porter votre aide, votre soutien. Merci beaucoup, Ansaruddin de France. Tout en précisant qu'Ansaruddin, c'est différent d'Ansaruddin que vous avez entendu récemment dans les médias. C'est important la communication. Ansaruddin, il est créé depuis les années 60 avec Maulana Cheikh Ibrahim Estrazanon. Et malheureusement, il y a eu des groupes terroristes qui ont pris le nom Ansaruddin. Une coïncidence malheureuse, on le dit. On n'a aucun rapport avec cela. Important de le préciser. Donc nous, c'est Ansaruddin de Maulana Cheikh Ibrahim, créé depuis les années 60 et qui regroupe tous les talibés de Maulana Cheikh Ibrahim. Donc, sans tarder, je passe la parole au porte-parole du président de la fédération, s'il est là, par exemple, pour le discours. Abdoubi, M. Abdoubi. تفضل مشكورا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من نوره أول الوجود وجودا وهو أصل الأصول والأنجال سيدنا الفاتح الخاتم الناصر صاحب السريعة والحقيقة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن ابنه صاحب القتل والكتم أبي العباس سيدنا أحمد بن محمد التجاني وعن خليفتهما في الخلق طورا صاحب البيت التجاني من إذا رأيته أو أحببته ما بينك ودخول الجنة إلى الموت لقوله من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان شيخنا ومولانا شيخ الإسلام في جميع المعاني الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله النسر الكولخي السنغالي القريشي العدناني من هو النفس والآفاق ومهما رأيتها بعينك اليقين تراه بالعيان بلا بهتان أيها الإخوة والأخوات في الله بالله ولله فها نحن اليوم في باريس mbokki ñu gattal tuuti rek ci turu président Ansaruddin yi nekk Europe yépp bu France Italie Allemagne Portugal Danemark Suède etc. ñu ngi leen di nuyu di leen di tatagal di leen wax nañ leen dajaloo boole suñu doole nek Ansaruddin munuñu am lu gën Ansaruddin munuñu am tektal bi Maulana Cheikh Ibrahim Niass jox ñu lu gën ñu nek Ansaruddin kon nañ leen dajalé li ñu am suñu force comme ni ko président waxé légui dajalo nek ben di yekende do di dorandor ngir keneen bañ ñu mëna yapp suñu serigne suñu wasila suñu soppé Cheikh Abdul Malik amna fu ci jaar légui yaakaar na kon sumay wax du mëna am solo waye ñu ngi tatagal suñu
suñu soppé suñu way suñu wajur Muhammadul Amin Ibrahim Niass kon ci kabi gatta tout rek wax ji dafa nekkon rek dul pour ñu dajalo nek ben fu talibu mëna nek dina jëma jox ci Ansar Dine bu ko gëna jagge ndax li ñu bëgg moy Ansar Dine Europe mëna liggéey ba suñu khalifa nga xamné tay moy jëmi Cheikh Ibrahim Niass mëna contant ci ñun ñaan yi mëna nangu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre Diouf, je pense qu'on a compris le message. Donc, sans tarder, avant de passer la parole au président de l'association Corbeil, qui veut parler, nous avons donc le plaisir d'abord d'accueillir aussi parmi nous. Donc, d'accueillir parmi nous aussi un petit-fils du chef, un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Haïdara, qui est là dans la salle. Nous sommes honorés de la présence aujourd'hui de notre Arsina, de Cheikh Touba, ici en France, avec qui la fédération, la fédération entretient de très bonnes relations dans la logistique, dans l'organisation de cette soirée. Et toute la famille de Moulana Cheikh Ibrahim aussi est là. Nos mères, mon tante sont là aussi. Nous les remercions et nous sommes honorés par leur présence. Donc, cher Sylvie, si vous voulez bien présenter votre petit discours ou votre grand discours sur le projet Carbet, avant que le Gamou nous s'ouvre. Bismillah. Donc, c'est Aminata qui va parler au nom de l'association Kerbaï, le projet de créer une maison à Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalam ala Rasulillah. Voilà, Ali, Osaki, Maï. Rabbi Shrahli, Sadri, Oyasuri, Amri, Wahlunu, Kodakalmi, Sani, Oyafahu, Kauri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Cher Baba, nous sommes encore faits par votre présence ici parmi nous. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, au nom de toute l'association Corbeil, la bienvenue. Marhaban ya Baba. Et nous prions qu'Allah vous donne une longue vie accompagnée d'une bonne santé pour que nous puissions vivre encore et encore des moments comme celui-ci avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Honorable à vous inviter et chers condisciples. Avant de commencer, je voudrais, au nom de l'association Corbeil France, présenter nos sincères condoléances à Cheikh Mohamed El Amin Ibrahim Niass et à toute la famille des chers Ibrahim Niass, proches et condisciples. Nous souhaitons à la défunte Seyda Fatoundom miséricorde, pardon et agrément du Seigneur. Amin. Au nom de l'association Corbeil France que je représente ici aujourd'hui, je souhaiterais vous transmettre un message. La plupart de nous connaissent déjà le projet. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce projet consiste à trouver un local, un lieu pour rassembler les fidèles de Cheikh Ibrahim Niass en France afin de mener diverses activités culturelles de la Fédération Ansaroudine France. Et accueillir aussi dignement nos illustres responsables spirituels et d'autres disciples du Cher qui viennent à Paris. C'est une association déclarée et qui a donc un numéro de déclaration. L'association est gérée par un bureau de 6 personnes. Elle est présidée par Cher Sidibé. Je suis la secrétaire générale.
La trésorerie est assurée par Cher Tidariga et Awetiam. Et enfin, un comité finance, aussi géré par nos sœurs Yassine Diouf et Moussoudabo. En ce qui concerne le bilan financier de l'association, l'année dernière, ici même, je vous avais annoncé un solde de 37 000 euros. Actuellement, l'association compte en avoir de 47 000 euros, donc 10 000 euros de plus par rapport à l'année dernière. À ce propos, nous voudrions féliciter et encourager tous ceux qui participent à ce projet. Des encouragements exceptionnels à l'encontre du disciple qui s'était engagé pour la photo de 3 000 euros et qui effectue des paiements réguliers en raison de 250 euros par mois. Nous encourageons aussi ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de participer. Nous sommes certains que c'est une question de temps et qu'ils gardent ce désir de rejoindre ces donateurs jalousement au fond d'eux. L'intention est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala, car on rapporte dans un hadith du professeur al-Sallam, « Il n'y a les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. La progression financière de cette année est de 10 000 euros. Il n'y a qu'une dizaine de personnes qui cotisent de manière régulière. Et il n'y a que dans des occasions comme celle-là que nous arrivons à récolter des sommes significatives. Nous devons essayer d'être les acteurs de ce projet, même en dehors des gamins. Toujours dans le souci de vous faciliter les moyens de participer à ce projet, en plus des moyens classiques, donc c'est-à-dire virement, paiement en liquide, cette année, le bureau de l'association de paiement électronique, donc un TPE, pour toute participation financière ponctuelle par carte bancaire. Aussi, nous mettons à votre disposition un document à remplir pour ceux qui optent pour le prélèvement automatique. Si vous avez donc votre carte bancaire, que vous avez oublié votre porte-monnaie, ne vous gênez surtout pas. Ce TPE est disponible à chaque événement de la fédération. Hadara, conférence, réunion, cause de quelconque, lors de la venue de nos chers. Certes, le nouveau solde de compte nous motive à redoubler, car même si elle est loin des objectifs fixés, elle représente quand même la preuve que l'association avance lentement, mais sûrement. Grâce à vos efforts. Cette somme est le résultat de la participation des disciples et des recettes de vente que l'association fait à l'occasion de certains événements culturels que la fédération organise, tels que les gamos. C'est dans ce cadre que nous vous proposons d'ailleurs divers articles en vente, à savoir des photos, des livres, des autocollants, des porte-clés, tous à l'effigie de Baye, dans le but de soutenir l'association Corbeil. Le stand Corbeil se trouve à l'entrée, juste là. Cette année, les articles proposés ont été améliorés et renouvelés. Vous pouvez le constater vous-même que KBM essaie d'élargir ses articles afin de vous motiver dans vos recherches spirituelles. C'est ainsi qu'une traduction Al-Bas est disponible également, ainsi que divers livres de Cheikh Ibrahim Niass avec la transcription phonétique en langue française, pour ceux qui ne l'ont pas. Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement, au nom de l'association Corbeil, notre frère Abdoubé d'Italie et son épouse. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation des articles proposés à la vente. Qu'Allah accepte leur travail et les récompense. Chers, 47 000 euros, c'est une belle somme, certes. Alhamdulillah, et nous vous félicitons. Encore, mais nous devons garder à l'esprit que cette somme est encore très loin des objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, nous devons encore pousser plus loin notre motivation et nos actions. Et seulement avec plus de détermination et surtout de sincérité que nous pouvons voir l'aboutissement de ce projet. Le président de l'association, Cheikh Sidi Bey, est en train de faire les démarches nécessaires pour que l'association acquière les statuts d'association à caractère d'utilité. Pourquoi ? Parce que cela permettra aux donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt à 40%. Nous voudrons aussi que les gens qui cotisent passent à la table à la fin du gamo
nous redonner leurs contacts ainsi que leurs adresses. Cela nous permettra de mettre à jour notre fichier de contact afin de pouvoir les joindre et leur donner des nouvelles au sujet de l'avancement du projet. Nous renouvelons donc notre appel et nous vous demandons de croire fermement, très fermement à ce projet et surtout de participer à sa réalisation, quelque façon que ce soit. Je voudrais dire, en guise de rappel, car le rappel profite aux croyants, que donner de l'aumône est une manière de se purifier au travers des biens qu'on a acquis légalement. Le verset 18 de la sourate 92 nous l'indique. Celui qui donne ses biens pour se purifier. Et à la sourate 73, verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat wa aqridullaha hasana. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Dieu un prêt sincère. Et notre bien cher Ibrahim Niass dit dans son livre Ruhul Adab, وإن رغبت في ازدياد الإيمان فتب نصوح الأرض فنها إحسان. Si tu fortifies ta foi en Allah, sollicite le pardon de tes péchés, puis associe-y de bonnes œuvres et participe à ce projet corbeil, fais partie des bonnes œuvres. Chers condisciples, nous avons besoin de ce lieu pour nous-mêmes et nous pourrons apprendre et connaître la culture islamique pour favoriser l'épanouissement spirituel. Tout cela pour dire que ce n'est pas trop tard pour être un acteur de ce projet. Vous pouvez toujours participer, soit en achetant une parcelle, une ou plusieurs parcelles, seule ou à plusieurs, ou bien en faisant un virement bancaire ou en optant pour un prélèvement automatique. Toute somme est la bienvenue. Les coordonnées bancaires de l'association sont disponibles, ainsi que des autorisations de prélèvement auprès de toute l'équipe de Cœur by France. Vous pouvez les récupérer à l'entrée au centre Corbeil France à la fin du Gamon. Cette année, un livre d'or signé par Baba, par Pierre Baba, a été fabriqué pour y inscrire les noms des personnes qui se sont engagées pour soutenir le projet. Pour finir, dans le cadre des activités de l'association Corbeil France, nous vous invitons à la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 30 mai prochain, Inch'Allah. Le lieu de l'Assemblée vous sera communiqué ultérieurement. Nous pourrons vous donner plus amples informations en ce qui concerne nos activités et l'état de toutes les démarches de l'année 2014-2015. Ce sera aussi l'occasion de recueillir vos précieuses idées afin de préparer ensemble de nouvelles perspectives pour l'année 2016. De ce fait, nous sollicitons très fortement massive. J'en profite également pour appeler aux familles de remettre leurs tirelires si elles sont pleines afin de les renouveler. Elles peuvent les donner aux membres du bureau de l'association Corbeil. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée et vous souhaite un excellent gamon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Qu'Allah nous permette d'atteindre notre objectif, de réaliser notre projet du Corbeil. Donc, je vais donner la parole à vos excellences, les représentants officiels qui sont là. D'abord au Conseil du Sénégal. Il m'a dit donc qu'il donne l'honneur à Monsieur l'ambassadeur de la Mauritanie de lancer un appel ou en fait un petit discours. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سيدي وشيخي محمد الأمين إبراهيم النيس صادر حضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إني جئت هنا نعم كسفير موريتانيا في باريس ولكن جئت أيضا وذلك هو الأفضل وأحسن كسفير سفير الكائنات كتلميذ سفير الكائنات لا أستطيع أن أكون سفيرا كتلميذ سفير الكائنات
كمولي شيخ إبراهيم نيس. ولذا أسلم عليكم جميعا وأرجو من الله تعالى أن تدوم هذه الحضارات وأن تدوم العلاقات الودية التي تربط موريتانيا بالسنغال إن شاء الله. Chers condisciples, je disais tout à l'heure, et je ne serai pas long, que je suis effectivement ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Paris. C'est une fierté, c'est une responsabilité, oui. Je suis là et je devrais être là pour ça. Parce que je suis un Mauritanien, un talibé, de l'ambassadeur de toute la représentation, de l'ambassadeur de toute la création, cher Ibrahim. C'est une grosse priorité et c'est pour cela, effectivement, que je suis là avec cette double casquette. Je souhaite à tous mes condisciples une bonne soirée et que ces relations, que ces rencontres soient durables, que chaque année, Dieu nous donne la force et la sagesse de le faire. Et aussi les relations, comme vient de le dire notre conférencier tout à l'heure, entre la Mauritanie et le Sénégal. Des relations historiques sur lesquelles revenir ne serait qu'un pléonasme. Je vous salue. Merci. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. Nous sommes très honorés. Donc, je passe la parole à Son Excellence le Conseil du Sénégal. Je voudrais vous saluer, cher. J'allais dire Excellence. Et saluer toute la Oumma de l'association. Saluer mon grand frère, l'ambassadeur de la Mauritanie. Je ne devrais pas prendre la parole, même si nous sommes dans deux pays différents. C'est un ambassadeur, donc c'est mon patron dans l'ordre hiérarchique. Mais j'ai compris qu'il fallait que je prenne la parole parce que il y a une actualité. Tout à l'heure, monsieur Abdelmalik, cher Abdelmalik, l'a dit. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole. Je suis avec monsieur El Hadj Kambasso, qui travaille au consulat du Sénégal à Paris, mais qui est en même temps le responsable politique du parti de Macky Sall ici en France. Je voudrais vous saluer, cher, par rapport à cette soirée. Une très belle soirée religieuse qui nous rappelle la vie du prophète. À travers vous, nous rappelez la mémoire de Cheikh al-Islam, Selim Baye, Cheikh Baye, Ibrahim Agnès. L'actualité a fait que le président lui a donné un appareil d'école, l'université de tout à l'heure, dans votre speech, vous avez expliqué la dimension de l'homme, qui a écrit beaucoup d'œuvres, qui l'a écrit très jeune, qui est un grand diplomate, qui a fait le tour du monde, et qui a créé en Saroudine, ou en tout cas en Saroudine a été créé suite à ses instructions, qui n'a effectivement rien à voir avec ce qui se passe par la nouvelle association qui a des activités un peu subversives. C'est pour cela que je m'honore d'être là. Je félicite Abouhad et tous ceux qui travaillent avec lui. Nous devons enseigner au monde de l'islam, du Sénégal, de l'islam, de notre géopolitique, je pense à la Mauritanie, au Mali. Nous avons beaucoup de choses à montrer au monde. Et j'ai l'impression que nous ne faisons pas assez. Et c'est pour cela que je salue l'initiative de Père Baye sur donc la maison qu'ils sont en train de créer ici. À travers cette action, je voudrais saluer toute la communauté musulmane sénégalaise ici en France, des Tidjans, des Mourites, et tous ceux qui bougent sur ce côté-là. Il y a énormément de choses qui se font. Je les félicite et les encourage sur ce qu'ils font. Sachez que le gouvernement, à travers l'ambassadeur et le consul général seront là à côté de vous. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le Conseil du Sénégal. Vous nous pardonnerez votre ignorance des hiérarchies. On a investi un peu les paroles. Sans tarder, nous allons d'abord, avant de passer le cocher, Mohamed Lamine commence à être réveillé, passer la parole à Cheikh Abdel Malik, qui va introduire, comme d'habitude. On disait présenter le Cheikh, mais le Cheikh n'est plus à présenter, tout le monde le connaît. Il va l'introduire. C'est pour changer un peu le concept. Abdel Malik, tu nous introduis pour la. الحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي من الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله من بعد ما ضاقت الغبرة بما رحبت على الذي حملت الحمد لله وبعد ما ظنت الأعداء غنون بنا استبشرت حسدا فالحمد لله الحمد لله ما كنا له هذا هو الحمد لله الحمد لله ما كنا نؤمله هذا هو بيننا فالحمد لله الحمد لله ما كنا نؤمله هذا هو بيننا فالحمد لله ولاؤه بيننا يحيي برؤيته رميم أعظمنا فالحمد لله هلاؤه منتهى المجموع هلاؤه منتهى المأمول أجمعه والقصد والمبتغى فالحمد لله هذا الكريم الرحيم الحلم منطقه والعذب منظره فالحمد لله يداه مبسوطتان الدهر سيبهما يروي الملا والقرى فالحمد لله غيظ البلاد إلى ضن السماء به والخصب إن أمحلت فالحمد لله من جوده اقتبس السحق الحياة وهدى بهديه من هدى فالحمد لله أحيى الشريعة إن ماتت وشيدها رغم اتباع الهوى فالحمد لله وأظهر الحق حقا غير ملتبس صاف بلا دنس فالحمد لله إن قال الصواب كله حكم أو خط زال الغطاء فالحمد لله والملة السمحة البيضاء طريقة حرفته فالحمد لله والذكر فطرته والبذل منيته والعفو عادته فالحمد لله رقت طبيعته راقت خليقته لذت فكاهته فالحمد لله كل الأنام له من وسع رحمته ود يمسه به فالحمد لله ذو الضعف يرحمه والجار يكرمه والعاب يستره فالحمد لله وابن السبيل ينسيه أحبته بذل أحضانه فالحمد لله والخائف المبلس الجاني يؤمنه حتى يرى آمنا فالحمد لله والجاهل الأبلد الكسلان يملأه علما بلا نصب فالحمد لله توحي إليه ذوي الحاجات أعينهم بسر فاقاتهم فالحمد لله يأتونه شيعا من قضاء قددا والقصد متحد فالحمد لله يري العدا جهل ما يحون من حسد ليذكروا حاجاتهم فالحمد لله فيحسب الجاهل المغرور أن يدفع عن بهيكله فالحمد لله والغمر يعلم أن النفع منفجر إليه من سيده فالحمد لله
أما محبته الهادي فقف عجزا حيران عن وصفها فالحمد لله صلى عليه الذي بالحق أرسله إلى الورى رحمة فالحمد لله بلا ñu commencé li ñu sante té bi ndax kenn ku ne ci ñun mën nako té xam nako dama bëggu ñu indi adress man ma commencé par 500 euros mo bëgg gën ba bëgg sëriñ bi na ñëw fi ñi jàkkaango ma ngi ndëkk o njaboot gi wa anzir ashiratika al-aqrabin la yalla khayru sallallahu alayhi wa sallam dekk la war say jege ñale soxna yi ak doomi mbokk yi ak seug yi ak goro yi ñew leen bu ma ciim seenu kaytal nona ak ay faam wala $150 ديال الشيخ سيدة مريم هم خنجر لي خوف ديما لوكوما ديال بي عباس عباس يون ليكون كوليج سعودي الشيخ محمد الامين يونا 100 اورو جاي شي اسباني يونا ak 100 euros. Cheikh Amare Mies, 50 euros. Liqar, Cheikh Pagnan, ak Cheikh Aïcha Lamine. Seda, Dakara, Mama Hawa, 100 euros. Da bu zikal tadi awre gor ñew nañ ak témer euro ak gro am ko lege ni ka banque bu ñu jël sur enne bu France astro enne su ko waxe ñu ko ko cheikh hassan cissé bu France ñu nañ ak 100 euros jawara yawro 50 euro doni aladi ibu jawaral sayde haja ahmed nona ak jorom 50 euro dañ ñass yi enen me kor rek ci sa ari ma dañ jott yi ye ka dañ dem yalla 20 euro ali de sa sa Sayyid Ali Sulu bin Yona ak 100 euro Ibrahima Diaw Moustapha Niang ci Dakar 50 euro Abou Ndey Ndey euro awa hadi cheikh ñew leen serigne bi bala muy commencer ngeen jox ko adiyam cheikh ousmane seydi ali cissé 50 euro cherif 20 euro cheikh adiyé moy né en amatu ngant nak ko ñak joxé cheikh mustapha cheikh mohammed cheikh aboubakar serigne bay 50 euro Mustafa Ndir 130 euro ko bëgg pay ñata
Ahmed Mahmoud ibn Mohamed Kebir nek ben alawi ci Mauritanie do mu xadamu baye bu degg arab meuna weyi nga xamne egan bu baye weyi ni ay tamu jox ko ne ko setal dim ci corriger waye mom mo netel ci bopom ne lele dan ñu baye ne baye ne ko li ni lañ ko wara waxe baye nako yow xamoo dara ndax fa bay ag ci langue arab ak meuna wey arab yi ko namp jang ko lott nañ ko waye ahmed mahmoud ku ne xamna ne xamna dara ndax mo xol baye gis ne gisuf ku niro baye muy latte ku niro baye tamit gis ne gisuf ku gis ku niro baye mu ne xaaral ma laj ko wer wi ba xam dana ko xam mu ne wer wi ya badru way hakki نبئنا بأنباء أنت تداوي بعض أدوائي مضت عليك قرون ليس يعلمها إلا العليم
ولم تنصف ببلوائي هل رأيت كمثل الشيخ في صفة أم هل رأيت له يا بدر من رأي من يوير من ليلات نري الله صلما خمل ما كلنا خمنا بغنا كو خم تجسوما كن كم كم أنا خمل لادنا ناسد جسوما ني خم كو لادنا ني ما مك خمو نيكو لادنا ني ما فيتين لو خمو نيكو ديونا yow mi nga xamne ku ma sa ronu su asaman rek yow ci yow nak lay laaj meun na am lima meun ta xam meun na am yow nga xam ci dara ndax ni jaar ci adina yeb ci sa ronu la jaar bima lay laaj moy ndax meus nga gis ku melni cheikh ibrahim ci melokan wi ni mu mel bu fekke ne meuso ko gis ma ng lay laaj ndax meus nga gis ku melni cheikh ibrahim koku moy ahmed mahmoud ibn hamd kabir bo way qasida bi nga xamne bay dafa 73 di faju xawa yag fi tuti bi fajmi yagge am ci noni ño xamne dañu jappo dal ne dootu ñewati ñom ñoñu seen ay mbokk lañ waye ño bokku tariqa bi waye bokku ñaan way ñukoy waxantu ni bay delu ci wat senegal bam ñewé ba ci medina ci jumaaja qasida bi ni rot bayina qasida bi mi ngi roté jugé ci hadratul ghaib ci hadra bu faduba rot ci lamini arif billahi bu mag bi di ahmed mahmoud ibn hamdul kabir warna bepp talibé bo xamné qasida bi ni tok na ci loxom mu mokal ko iko jang beut bu set gannaaw wi dir fatiha qasida bi nak commencement bi neena nañ sante yalla te sante yalla warna mbolen minde fi gannaaw bi nga xamantene peul bi wureeku na manam li nit ñi fokon amul gannaaw bi nga xamene noni ndortu nañ ay ndortu ba bekk ci sen ndortu yoyu nonu yalla def leneen luddul lolou kon war nañu sante yalla waye ni ci lima ci jullu moy dafa ne bay kin bugon amone mi ngi li sun bir kon war nañu sante yalla ñun tamit wax deug cheikh mohammed lamine lañ namone mom lañ yakam ci won mi ngi li sun bir kon nañ sante yalla tukki yi deelami tukki tuddu legi ni def na tukki yoyu ci rew yi ko def Mauritanie bu fekkon tane serigne bi dogu pour ñew ci programme bi ba legui ni ñing ko téé té du né talibé rek ko soxlo won ndax amna ay kilifa yu fa nek yo xamné bokkun tariqa wayé invitation yi defal serigne bi ak la fa xew ci geedju xam xam ak way ciar bo xamné gën nañ ko dégg wax deug yalla mom la Mauritanie yépp di nétalé ci jamono di waxtané ci jamono ci mom nak yalla defna bëgnu leen lu xat ak nu programme chargé bu ngeen jappé sen gamu gi fum ko mën di fekk da nako bayyi ñew ci sirène lolu moy né amna ko xolam ak ci yeen té lolu yeen yeena wara gor gorlu nak jëmmal lolu nonu ci ligéeyal ko ci ansaru diin bi nga xamné mom la mom soxlu dara ni ma doon def ni sax xeyna sibna ko waye man ma gis né duñu war la ñun ndax ñun ñoo ci jërñu waye du wut mom ngeen jëmmal ko ci wéral ansaru diin bi fexé ba képp ko xamné fi nga dëkk nga adhéré wu ci ansaru diin ba nga xamné bës bu fi ñëw pour def liggéey bi nga xamné mom la ko khalifa cheikh ahmed tidiane dégg ko da fay nekk rek né jotaay yu gatt lay doon def yeen liggéey ngeen ko ba mat ba paré ñi ngi ñaan yalla comme ni ko ñepp ñaané man mes français sont pas très sorbonne mais li djela ni ñaan ndaw su le ci wax fi ni ñaan yoy yeb deg nañ ko moy ñu ngi ñaanal serigne bi yalla yagal ko fi yalla degeural ko ba nga xamne dañuy banex ci mom dir bu yag yalla def lool mom doomi cheikh ibrahim la waye ta be cheikh ibrahim li titro way titro na do mom do mom lepp lu mu am digeel ko cheikh ibrahim mo gënal fepp fuñ koy o ci cheikh ibrahim ñoo ñu buñ yéxé sax li
def ko ci posam pour dem pour liguel cheikh ibrahim lolou nak la baye ñaanon nek won na aw ci yonom wi na nek limbalam ci yon wi ni al aun ala khati wa mustaqbal tariqi yakarna na nek limbali sama yon wi lolou nonu mo waral jotay yi ak jotay yi ko ak jotay yi nga xamni ñi ñew ci sa kanamam muy nit ko xamne yalla rek la luddul yalla neexuko luddul yalla saxut ko yonentu rek la cheikh ahmed tidiane rek la cheikh ibrahim rek la foko fekk ci ni nga koy fekk sa yo fatte ñooñu bo ñewé ci mom mu fatte li la ñooñu waye tamit sa yo fatte li ko ñooñu so ñewé ci mom mu dolli la ciofel ci ñooñu kon ñu ngi ñaan yalla 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 degeerel ko ñu ngi yalla yalla guddal fanam ñu ngi ñaan yalla 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 motali ay sembum ñu ngi ñaan yalla lepp lo xamne duggu nako ci diine ji ta taraka bi ci fayda bi yalla ko ci yalla wan lu kawé ñortam ba laqab biko cheikh ibrahim joxon mu muhiddin mu tek ci beutam yanan jiharan bi jay seydou jub sallallahu alayhi wa sallam kon monsieur yall serigne bi ñu ñepp xam nañ ko amul lu gudd lo xamne dañ koy wax té bu téwé tamit jarat guddal waxtan nit ñi namu nañ gamam namu nañ mawlidam namu nañ surtout si kërëm kon duñ def dara lu dul joxo micro bi mu commencé bu digi ni ñu sant ñep digëlam ñep jër ngeen def ami bu jabi 200 euro dal 50 euro akam من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخطف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مطرق ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجون بها ولست تحترق إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق قد احتوى بيتك المهيمن من انقطع عليها أثاثها النطق وأنت لما أشرقت الأرض وضاءت بنور فنحن في ذاك الضياء وبن نور وسبل رشاد نفترق اللهم انا نسالك بجاه الممدوح عندك والمادح ان تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وان تهدي الى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشاه ادم والكون لم يتاله اغلاقه ايروم مخلوق سماءك بعد النهار أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبل والخاتم لما سبقنا ولا إله إلا أنت لا يحزن ذا العظيم متى يبدو في التاجيل فهيم جبير يا لحم الصاعد إلى المتوحد فمن كان أول لا يكون كأحمد نظاما لحق أول كان للموحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم لي لا اسما نبي إن اسمي إذا قال في الخمس مؤذن أشهد وشق له من اسمه بيت له قد العرس محمود وهذا محمد تخديري إنا قد أجمعهم وتجرا بك البدر جلى ليلة الظلم وفي عطافه او اثناء بردته ويعلم الله من خير ومن كرم ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سرور الله مسلول ويغوص الغمام بوجهه اما اليتامى عصمه للارامل يلوذ به الهلاك من ال هاشم وهم عنده في نعمه وفاضل منزه عن شريك في معاصيه وجوهر الحسن غير منقسم نعم دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم فان فضلك
رسول الله ليس له قرب عظمنا بكل جميع لو ناسبت قدره آيات وإظلام أحيى اسمه حين يدعى فارس بما لم يمتحنا بما تعير القول به فسمح لنا فلم نقرب لمعه أفهم معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منتحن كالشمس تظهر بالعينين من الوادي صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم أيام تسلوا عنه بالعلم وأنه خير خلق الله كلهم من الذي ما ساق ومن له الحسنى فقط محمد هادي الذي عليه جبريل وحرق محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين حجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين حجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين حجر اللهم صل على من خاتم يتوب وهذه بجاد براعة بسم الله ومن خاتم يتوب براعة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وقياس ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا ملجأ لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدنا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين رسالة من عزهم أقدامهم الجبا إن لم أكن منهم فليل بحبهم عز وجاء فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة وقت لنا بالخيرية من لا لنا لكم سوى لم يزور الربيعي بمرحتي الشفيعي بمنطق الربيعي يا ربنا صل على خير الأنام من على السماوات العلى بإذن ربه العلي شهر المولد شهر العلا والسدد شهر النبي احمد شهر الاول قد خص بالربيع كان كالارض والشفيع بكل خط معضل هل يا ذو ربي بما نبي شفي بما تقرأ وفخرنا والمرحي شهر النبي الأفضل سهل الفلاح والسرور تنبيه ساد الدهور موشح بين الشهور متوج مكلل فتني يا دور بيه بمدي سفيه بمدقل فريه أمقنا محمد أهلا بشارفاته إغلاق الكون بفاته والخص بالفواتح وحز ختمة هل يا دور أبي بمن أتي سبي بمن تقبل وآخر الأول فكان يا دور أبي بمن أتي سبي بمن تقبل محمد للناصرين للحق شار الآمرين بالعرض شاد الظاهرين بكل وصف أكمل أدن يا دور أبي بمن أتي سبي بمن تقبل فريق
أهلا بشار الهادي بمنادي رجعتي وقائد وحادي إلى الطريق الأمدلي أهلا بشاري بمنادي شفيعي بمنادي يا شار سيدي لأحمر وأسود من حاز سبق سددي لما تدعي بصلي يا دور أبيدي بمنادي سبيلي بمنطق الفريق أخي بها محمد فاها كلها أبقاها وكلها بقوله ألها وجلال يا دور أبي بمنادي شفيعي بمنطق بدي من خطة وابه في الخطة أهلا بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك المرسلين يا نور أبي بملك سبيلي بمنطق بديلي محمد بشار خير الخلق بني جميل الخلق شارع عظيم الخلق محكم المنزل يا دور أبي بمنادي سبيلي بمنطق بديلي محمد الذي أخذه إلى روحه بحبه خيره من انقضاء الأجل كان يا دور أبي بمنادي سبيلي بمنطق بديلي محمد الذي ما سأبقى ومن له الحسنى فقط عليه جبريل هوى بكل نور مرتلي يا دور أبي بمنادي سبيلي بمنطق بديلي أهلا بكل أهلا بليل في أجر فيه ويوم الأغر وفي بذلك السعر ونور فيه الجليل يا دور أبي بمنطقي سبيلي بمنطق بديلي أهلا بكل كل ما ظهر من تاريخ الفكر فيه كرف البصر إلى مقامه العلي من عجاب آمنة بالنصب سبابة ثم رات بسجدة المبتهلة يا دور أبي بمنادي سبيلي بمنطق بديلي ربي محمد كما تدل الزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسور بصنم مجدد يا دور أبي بمنادي شفيعي بمنطق يا قديمي أقنعا محمد أبتيت النار وجفت الأنهار من أجله والنار اطفئت من حجري يا دور أبي بمنادي شفيعي بمنطق يا قديمي أقنعا محمد وجنه في نكدي ورميها برصدي وعزلها عن وقعي من أجل خير رسولي بل يا دور أبي بمنادي بمنطق يا بني ربي بها محمد في شيطاني جرى عظيم شاني من أوضح البرهان لأظلم ما تذكري بل يا دور أبي بمنادي سبيلي بمنطق يا بني من ذو الإفضال بأفضل الرجال بأفضل الليالي من بلد المفضل يا دور أبي بمدد شفيعي بمنطق بديلي أخي محمد أنا بيوم عيدي ما مثل من عيدي أتحلى بالمولود به محلة
لن يدور ربي بما تعيش به بما تقبل به مسافرين بلادا وما اتاه ساده من مثل ما اراد الهه في الازل لن يدور ربي بما تعيش به بما تقبل به محمد من سمي محمدا غير اسمي رمزا لمعنى باسمي من جده ينجلي فتن يا دور ابي بما تعيش به بما تقبل فدي محمد الاولين له والاخرين فكان ذا يقينا من الكريم المحمد لن يدور بي بمدد شفيني أقل بديني أقل محمد هذا اليوم مثليني مولد ثالث ميني مبعث سر القولي مقدمي مبجل لن يدور بي بمدد شفيني شار العجمي من شار الكرم أكرم الأرض الحرمي وبك خير مسلم من يدور بي بما تعيش به بما تقبل بدي ربنا محمد في يوم صار شنا واستمر أول فقرا وغفرة من منزله من يدور بي بما تعيش به بما تقبل بدي ربنا محمد في شار الإنسان بخير الإنسان قد وجه آل الإحسان والكامل المكمل لن يدور بي بما تعيش به بما تقبل بدي ربنا محمد قد تمت الليالي في عدة الليالي بزينة المعالي الجوهر المفصل لن يدور بي بما تعيش به بما تقبل بدي محمد ربيعي بمدحتي شفيعي لمن تكي البديعي أقبلها محمد لن يدور بي بمدحتي شفيعي بفضل جمعته يوما وليل قرده وفضل حج ربه ومن رضاه محمد لن يدور بي بما تعيش به بما تقبل بدي ربنا محمد مجيب الحسنى وجمالي الحسنى لدى المقر الاسنى مع الرفيق الافضل بما تعيش به بما تقبل بدي ربنا محمد وكلنا وليا وناصبا حفيا نقتشي رويا بجاه عبدك العلي ان يدور به بما تعيش به بما تقبل بدي ربنا محمد صلى الله وسلم بنا عليه أفضل صلاة قول الإله من أبد الأزل لن يدور بي بما تعيش به بما تقبل بدي ربنا محمد وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل لن يدور بي بما تعيش به يا إلهي يا إلهي كل نارها واسمع لقارئها وللذي حضرها اللهم بخفي لطفك وكرمه واجب الدار مع افاديه كبيرا وعجل بالذي طلبوه يا احمد مع اصحابه اللهم صل على سيدنا محمد فاتما ولقاء فاتما سبقنا سلام وهادنا سلام مستقيم على سلام يا قدر الله العظيم
الله
مزغور لذاك الدلع زاد سرحاً باسمه وبالرسالة عليكم بكل باب السلام وقف إلى يدور الليالي وهو بعد ليت أيروه كل قام يا فاق إلا إدور وهو بعد ليت أيروه محمد وهو محمد قاتم الجمال وعليكم من كل ما سلام يا فاق إلا إدور